et nous mènerons les âmes qui le méritent au paradis. un autre démon mort est étendu devant moi. Je suppose qu'il n'était qu'un autre serviteur de Astaroth. Ces grands guerriers ne sont pas si difficiles à tuer. Depuis combien de temps suis-je ici? Des heures? Des semaines? Des mois ou même des années? Le temps n'a pas d'importance dans cet endroit que j'appelle l'enfer. Combattre sans fin, tuer sans fin, toujours essayer de survivre. Mais je suis déjà mort. Donc est-ce que survivre dans l'au-delà a un sens? Soudain, je sens que la présence d'une puissance énorme se dirige vers moi. Une puissance qui ne peut être décrite que comme le cœur même de la lumière et de la sainteté. Puissant et sacré, oui, bien que l'être ailé projette une ombre noire. Un ange, aucun doute là-dessus. Mais que fait-il ici? Et pourquoi se révèle-t-il à moi? Je te salue, Bill. Sa voix transperce mon âme comme une épée chantante. Je suis Ramiel, tonnerre de Dieu et seigneur du purgatoire, qui aide d'ailleurs le royaume où tu es maintenant. Tu n'es pas condamné à souffrir éternellement en enfer, non, c'est un lieu d'espoir. Ici, les péchés de toutes les âmes mortes seront rincés par les feux purificateurs jusqu'à ce qu'elles montent aux cieux. Maintenant, dis-moi, pourquoi te bats-tu si courageusement contre les légions du diable? Eh bien, je ne suis pas en enfer. Un bon début. Je veux juste sortir d'ici. Détruire les loufoques maléfiques qui m'attaquent sans cesse, semblent être inévitablement sur mon chemin. Mais je ne comprends pas. Ce n'est pas l'enfer, d'accord? Mais pour un lieu d'espoir, ton soi-disant purgatoire n'a pas l'air un peu miteux? Son chemin vers le purgatoire et, avec la guerre, les ombres et la pénombre ont masqué la lumière de Dieu. Les légions de Lucifer, sous la commande d'Astaroth, envahissent ce royaume pour voler les âmes afin de renforcer l'armée de l'enfer. Ceci ne peut pas être permis. Les forces des cieux luttent pour repousser les démons. Toi, en tant qu'être humain, tu en connais plus sur la guerre et la tuerie que nous, les anges. M'aideras-tu? Je pourrais le faire, mais... Tu seras largement récompensé. Tu seras libéré de tes péchés et je te renverrai vers le monde des vivants. Est-ce une promesse? Au nom du trône d'or, je te le jure. Détruis Astaroth et tous ses laquais, et nous nous retrouverons. Je compte sur toi, Bill. Le ciel est de ton côté. Et soudain, Ramiel s'évanouit dans le ciel. Donc je me bats à présent pour les bons gars. Ça marche pour moi. Du moins, je pense que je peux avoir confiance en un ange. J'avance, en espérant que tout ce merdier sera bientôt terminé ici au purgatoire. Jusqu'au jour de ma rédemption, je ferai ce que je sais faire le mieux. Tuer les méchants. What? d'horribles cauchemars. Et ces cauchemars sont des créatures dévorées. atteindre le port et prend un bateau de large. Meurs dans la souffrance! Énorme de vous.